Salut Junkie, donc c'est Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Donc ça va être une vidéo de football. Dans cette vidéo donc on va faire un petit test entre un ballon de foot normal et un ballon de foot géant. On avait déjà fait une vidéo de ce genre en été, mais c'était un ballon de foot un petit peu de cassos. En gros c'est un ballon de fête foraine que vous pouvez trouver de partout. Du coup ce ballon donc je l'ai acheté et je vais vous montrer ce ballon tout de suite. Du coup donc le ballon c'est un ballon jaune comme ça, donc c'est un ballon qui de base est fait pour la gymnastique et le yoga. Je pense que c'est un ballon qui est assez drôle avec, pour jouer avec. Il est pas très très léger mais pas très très long non plus. Du coup il va pas trop s'envoler, mais on pourra aussi mettre des transversales avec. Dans cette vidéo donc on va faire un petit peu des tests de frappe. Donc on va commencer par des frappes basiques. Ensuite on va faire un petit peu des coups francs, tout ce qui est coups francs etc. Faut que j'arrête de dire etc etc. Du coup dans cette vidéo on va commencer par tout simplement des frappes basiques. Et après donc on va enchaîner avec tout ce qui est coup franc, penalty. Dans cette vidéo donc on va commencer tout simplement par au début des frappes donc normales comme des penalty, des coups francs avec un goal. On va enchaîner par la suite en se faisant des passes, donc une touche de balle, des jongles etc etc. Et on finira par le meilleur pour la fin, un crossbar challenge avec ce ballon. Donc ça risque d'être vraiment assez hardcore. Du coup donc on a pris deux ballons, pour le premier défi ça va être des penalty. Donc on est au point de penalty les gars. Il y a Yamin en goal pour commencer. Et c'est mon frère qui va débuter donc avec ses premières frappes. Donc tu commences par le ballon normal, comme tu connais, je pense que tu as déjà fait des pénalties dans ta vie. Et ensuite tu vas prendre avec le ballon donc géant qui est juste ici. Vas-y, go. Premier essai les gars. Premier essai, vas-y. Ok, donc premier essai déjà ça va en but, normal. Donc franchement c'est plutôt pas mal pour le moment. Pose le geste dedans. Et du coup donc tu vas passer au deuxième essai. Tu penses que le ballon il est vraiment léger ou il est vraiment lourd ou un truc comme ça? Dis-nous tes avis dessus. Ben, la dernière fois qu'on avait testé un ballon géant, il était léger mais en fait il rebondit pas trop donc il va s'arrêter. Ok vas-y, teste-le, essaye de mettre une bonne frappe. Oh, ah il a bien marqué les gars, donc il a mis un but. Il les place tout le temps bien lui, il les place tout le temps dans le petit filet. Du coup franchement ça passe bien. Du coup donc pour le deuxième essai c'est moi qui va tirer. Donc le ballon normal comme d'habitude à gauche et le ballon géant à droite. Et le goal là-bas. Ah, premier essai les gars, donc j'ai réussi facilement. C'était simple, c'est un ballon normal, hein, on le connaît, c'est des ballons qu'on prend dans les matchs, etc. etc. C'était vraiment simple. Le deuxième ballon, je pense que ça va être un peu plus dur. Oh, mal. Oh, c'est violent, ma main, la ça fait un essai bizarre. Hein. Allez. Le deuxième essai, ça a été avec le ballon donc jaune. Et le ballon jaune, franchement les gars, je peux vous dire que c'est la galère, mais en tout cas j'ai galéré. Je pense que le premier essai que Znedjin a marqué avec le ballon jaune, c'était plus de la chance qu'autre chose. Ouais. Je pense, hein. Parce que le ballon, franchement, je te dis la vérité, hein. Je peux tirer en force, je peux tirer n'importe où. C'est de la chance. Ça dépend, ouais. Il va où. Il va n'importe où, mais tu fais le ballon. Du coup, ça va être à Yamin. Du coup, les gars, donc pour le dernier, ça va être Yamin. Donc, il y a le ballon normal, donc deux matchs. Je pense que vous connaissez tous le ballon de match, les gars. Ils peuvent tirer basique avec. C'est un ballon gonflé, taille 5. Et donc, il y a un deuxième ballon, donc ici, le ballon de yoga. Vas-y, go, let's go. Régale-nous, une petite frappe, bien passée. Wouah, la puissance. Franchement, c'était pas mal. Et le deuxième ballon, vas-y. Ah, toi, Zinet, t'as pas besoin de faire ça. What the hell? C'est donc Yamin les gars a réussi ses deux essais, donc je pense que quand tu t'es gavé. Là c'était moins de la chance que toi parce que franchement là le ballon il a bien tiré fort, c'est presque parti en lucarne avec le deuxième ballon. Alors toi c'était un peu plus de la chance. Ouais les gars j'aurais mis mon point, j'aurais pété parce sur celui-là. Ouais juste parce que toi tu me l'as fait. Mon point il a fait ça. Alors que c'est Yamin, il a fait comme ça. Donc du coup les gars pour le deuxième défi, donc on va tester qu'avec ce ballon parce que je pense que vous connaissez trop bien le ballon orange qui est derrière là-bas. On va tester tout simplement des jongles, donc c'est des jongles basiques. Et moi je pense que je vais mieux arriver que vous parce que je me suis entraîné chez moi avec ce ballon avant de venir faire cette vidéo. Du coup normalement je pense que je pourrais mieux arriver. Le seul conseil que je peux te passer en fait c'est que le ballon faut pas que tu le tapes droit, tu vois, faut pas que ton pied fasse ça normal. Faut que ton pied tu vois je le mette un petit peu en arrière comme ça il revient vers toi le ballon. Parce que sinon il va tailler n'importe où. Vas-y. 4, 5, 5, dommage. À toi vas-y Zina, à toi. 2, 3, 3. C'est trop chaud. Du coup c'est à moi, donc si franchement je rate, si je fais moins que Ziné ou si je fais moins qu'Amine, ça risque d'être un petit peu la honte parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit comme quoi je me t'entraîne avant, vas-y c'est parti. Je suis chaud je pense hein. Attends. L'entraînement. 9. 13. 16. 18. Et c'est fini. C'est pas de mettre son pied comme ça dès que vous tapez, c'est de mettre son pied un petit peu genre en regroupé comme ça, tu vois, pour que ça vienne vers toi. Vas-y, tu veux retester? Moi aussi, je vais tester. Un deuxième essai, bon, toi ça arrête, on va tester ta vie. Voilà. Du coup, donc Yamin et Zine vont faire un deuxième essai parce que ça franchement, c'était pas très très top au premier truc. Vas-y, commence. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien joué. Vas-y, go. 2, 3, 4, 5,
6. Au moins, je bats mon record. Ça, t'as battu ton record. Les gars, ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que tout simplement, en fait, il est 2h de l'après-midi. Il fait à peu près 35 degrés, donc franchement, les gars, c'est la galère. En fait, limite, il n'y a même pas d'air, c'est de l'air chaud. Du coup, on vous fait cette vidéo franchement que pour vous, parce que nous, quitte à rester chez nous à jouer à Fortnite, on serait resté chez nous à jouer à Fortnite. Là, les gars, franchement, on est sortis. On s'est dit, vas-y, on va faire une petite vidéo pour les abonnés. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour ça, les gars. Franchement, je vous dis pas pour ça. Le like, normalement, c'est si vous aimez la vidéo. Franchement, les gars, donc le like, normalement, c'est pas pour ça. Mais là, les gars, franchement, on est sortis en plein cagnard. Du coup, n'hésitez pas à lâcher le like pour ça, les gars. Et même si vous aimez la vidéo, lâchez le like, quoi. Du coup, donc le défi, là, ça va être crossbar challenge. Donc, avec un ballon normal et un ballon, donc. Yoga quoi, c'est un ballon géant XL, ouais, on va dire XL parce que c'est pas vraiment un gros ballon XXL. Du coup, je pense que ça va être simple un petit peu le ballon. En tout cas, je pense qu'en tout cas, le ballon comme il est plus gros, il y a plus de chances de taper la barre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, franchement, je pense que tu vas moi je pense que tu vas y arriver. J'ai pas envie de m'avancer dans un truc, mais je pense que tu vas y arriver. Du coup, donc les gars, crossbar chaîne, il faut taper la barre transversale qui est juste en haut. Vas-y. Dommage presque. À ma vie, si on fait la même frappe, ça va marcher. Dommage. À moi. Du coup, donc là, les gars, c'est mon petit frère, donc juste ici. À ta vie, tu vas mettre la barre ou pas? Avec le ballon géant, ouais, je pense. Et avec le ballon normal, je sais pas, c'est à voir. Ok. Yes, bien joué. Ouais, pas. T'es fort pour les bras, mais en match, t'es pas fort, hein. Non, je rigole. Ah, dommage. T'as l'impression que c'est plus fort? Ouais. En fait, faut mettre plus de puissance que dans le ballon normal. Moi, ah ouais? J'ai fait comme il allait. Merci du conseil, peut-être je vais mettre les deux barres d'affilée. Oh, faut mettre beaucoup plus. Amène l'autre ballon. Bon, les gars, dernier essai de crypto. A ton avis, est-ce que tu vas y arriver ou pas? Je pense que je vais mettre 1 sur 2. Déjà, faut qu'il arrête de bouger, mais je pense que je vais en mettre 1 sur 2. C'est un ballon, Zinedine, sérieux, le jeune? Non, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. De toute façon, ce qui paraît, d'après l'expert Zinedine, il a dit qu'il fallait pas tirer trop fort. Mais en fait, si tu tires trop fort. Non, fallait tirer fort. Mais si tu tires trop fort, le ballon il va faire comme ça fait là, parce qu'il va tourner. Ok, on va voir, merci du conseil. Moi je pense que je vais mettre 1 sur 2, un des deux, mais je pense que je vais pas mettre les deux, mais je pense que je vais en mettre 1 sur 2. Pronostic 0 pour lui. 0, je pense. Moi je dis, mets les deux. C'est. Une. Déjà, une sur deux, déjà j'ai assuré mon pari, les gars. Moi j'ai dit deux, hein. Donc j'ai pas intérêt de décevoir. Mets toi bien en face, Evine, comme ça on voit la barre, tu l'as vu. J'avoue, t'inquiète pas, je crois. Ah, il est beau. Allez. Voilà, bien, fais la fin, Inis. Du coup, c'est déjà la fin de ces deux, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce ballon, les gars, il est vraiment galère. C'était un petit peu un petit test. Il y en a certains qui vont dire dans les commentaires, mais ça sert à rien, t'as déjà un ballon de foot, pourquoi tu fais avec un ballon géant? On se fait des challenges, les gars, donc on est sorti cet après-midi, on s'est dit, on va jouer avec un gros ballon, histoire de rigoler un petit peu. Dès que vous avez lancé cette vidéo, je pense que vous saviez déjà quel ballon allait être le meilleur. Ces défis-là, on les fait pas pour voir quel est le meilleur ballon entre les deux, mais juste pour s'amuser. Et donc, je pense que vous savez très bien qu'un ballon spécialisé dans le foot, un ballon spécial pour le foot, il va être mieux qu'un ballon, un gros ballon de yoga où vous faites des gymnastiques et tout avec. On essaie de faire passer le temps un maximum et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous dit ciao, c'était Crypto, Yamin et Zinedine. Allez, ciao les gars.